Salut à tous, c'est Colton et aujourd'hui on se retrouve pour cette deuxième partie de la découverte sur Need for Speed Unbound. Alors je vais vous montrer comment ça se passe un peu, mais là je dois juste livrer la bouique d'un point A à un point B. Alors je vais commencer l'épreuve et ensuite on va voir pour la suite. Et c'est parti. Oulo, ben, elle bombarde en plus la bouique. Hein. J'ai pas ma petite Mustang, parce qu'en fait ma petite Mustang elle est vraiment nulle. Comme elle n'est pas améliorée, rien, donc j'ai besoin d'argent en gros. Et donc pour ça, bah, je dois faire des courses et ben être premier. Pour l'instant, c'est un peu compliqué d'être premier. J'ai fait qu'une seule course, mais je vois bien que c'est compliqué d'être premier avec ma Mustang. Puisque l'autre, elle nous a volé ma voiture. Hop là, on va pas les gratiner. Si on l'a égratiné, ça va, c'est une rayure. Il y a du temps, donc il faut que je fasse quand même ça correctement. Oh, je l'avais pas vu celle-là, dis donc. On dirait bien que ça va être une catastrophe. Oh putain, il aurait pu me filer du noce. Oh, joli celui-là. Il était joli, joli. Voiture! Ah oui, bah oui, mais non. Aïe, aïe, aïe. Eh vite, on vise l'or, on vise l'or, on vise l'or, on vise l'or. Il nous faut les 3000 dollars, il nous faut les 3000 dollars. Allez, allez. Loupé, ce sera l'argent. Pour 2500 dollars, la voiture est livrée dans un état catastrophique. Allez, on prend les 2500, on s'en fout. Donc là, je me dirige vers une course, bah, toujours pour faire de l'argent et améliorer ma voiture, hein, parce que ça va être compliqué là. Il faudrait que je rentre au garage d'ailleurs pour récupérer l'argent que j'ai gagné déjà. Mais bon, pour l'instant, on va aller faire des épreuves. De toute façon, on ne va pas se faire arrêter. Donc, alors, la petite nouveauté dans les épreuves, parce qu'on ne l'avait pas ça au tout début du jeu, mais je ne vous avais pas montré de toute façon, c'est que là, on peut voir les pilotes contre qui on va courir. Donc leur voiture, les pilotes, leur âge, leur nationalité, tout ça, tout ça. Et quand on prend donc l'épreuve, par exemple celle-là en plus il faut que je la paye. Ah, j'espère que je vais gagner. Je sais que non parce que voilà, en fait on voit les pilotes et leur catégorie. Donc moi je suis en B118, après je peux prendre la B134, c'est la Nissan du garage. C'est vrai que je peux faire ça. Et en gros je vais choisir et après je vais parier. Je vais parier sur ma position annoncée, donc par exemple elle, si je parie avec elle c'est 400 $. Je vais parier lui. Allez, faut essayer d'être quatrième ou moins. De toute façon moi je vise les trois premières places parce qu'il me faut de l'argent. Les autres ça m'intéresse pas beaucoup. Avec la voiture du garage en plus, donc je ne sais pas ce que ça donne. Loupé mon départ. Oh, ça commence. Alors comme je l'ai dit dans la découverte numéro 1, je sais que je l'ai dit très vite, mais... Oh, oh. Oh. Ok, on va tenter de les rattraper quand même, mais si on voit qu'on n'y arrive pas, on va recommencer celle-là. Hein, parce que... Donc comme je disais dans le premier épisode, on n'a pas la vue habitacle. On a la vue comme ça, là. Qui est pas mal en fait. Hein. On a ça, et on a ça. Bah c'est l'échauffement, mais moi je fais n'importe quoi les enfants. Hein. Allez, faut les doubler. Dernier tour. Je sais pas si ça va marcher. Je regardais même pas. Il n'y a pas de honte à faire face à moi. Ah.
Je vous détruis, les gars, je vous détruis. Ok, je suis passé deuxième. Pas besoin de recommencer la course. On est bon. Mesdames et messieurs, la police de Richard reprend scène. Tu sais faire un dépassement, c'est bien. Ah mais oui, mais je suis bête, mais je suis bête. Mais je suis... Non, tu me laisses deuxième. Allez, j'ai parié ma deuxième place, alors laisse-moi deuxième. Et puis l'autre qui vient d'oublier là, mais c'est pas possible. Je viens de te dépasser. Ah bon, tu viens de me... Oh lolo. Arrête. Mais c'est toi, arrête. Il m'a bloqué la route, il m'a cassé ma gueule. Et je vais devoir recommencer la course. Ok, non seulement on a gagné le pari, mais en plus on a gagné la course, les enfants. Mais c'est magnifique, mais je vais prendre cette voiture-là tant que j'ai pas augmenté l'autre. Voilà, voilà, c'est bien mon pâte, c'est bien. Donc là, en gros, le but, ça va être de faire le plus de courses possible, donc celles que je peux, celles où j'ai les moyens et celles où je peux. Donc comme dans les anciens, il y a aussi des petites épreuves radar, des épreuves drift, des trucs comme ça. Et là, qu'est-ce que c'est, là? Faut le casser, le panneau? Ah oui. En même temps, tu me diras, c'est bien, la petite Skyline, elle fait de la pub pour Idle Race, c'est cool. Mes voitures, nouveau. Ah mais j'ai d'autres voitures? Ah, mais comment ça se fait que j'ai d'autres voitures? Est-ce que je peux... Non, si je m'équipe en haut, c'est pas possible. On va garder celle-là pour l'instant. Ah bah attends, bah je vais peut-être pouvoir faire plus d'épreuves que prévu du coup. Je m'attendrai à l'arrivée. Je croyais qu'on était potes. Hop, premier direct, allez, comme ça c'est fait. Maintenant il n'y a plus qu'à tartiner. Ouh, il me colle l'autre là. Hi hi hi. Tu me doubleras pas. Oh. Ah bah si, du coup tu vas me doubler juste là. Hein. Bon, il s'est éclaté contre le mur. Je ne sais même pas où il faut que j'aille. Et hop là. Ok, ok, tu te débrouilles pas si mal. Ah bah merci mon pâte, c'est sympa. Je suis troisième. C'est pas ouf. Il faut que je prenne le saut. Ce serait bien le saut. Oui. Oups. Ça passe. Mais je suis toujours troisième, ça va pas ça. J'ai encore le temps de te dépasser. Ouais, je sais que vous avez encore le temps de me dépasser. Ce qui veut dire que j'ai encore le temps de les dépasser eux. On dirait bien que j'aurais pas le temps de les dépasser eux. Et c'est troisième. Bon bah troisième.
Voici. Wow, elle est quand même vachement belle. Hein. Voici la garage. Voici la voiture. Donc en A, au niveau des performances moteurs. Donc il va me permettre de faire ces épreuves-là. Oui! Espèce d'enfoiré. Il m'a mis dans le mur. En gros, là, il faut surtout pas que je perde parce que tout à l'heure, j'ai un peu galéré sur l'autre course. Et du coup, j'ai déjà usé tous les recommencés. Parce que ça marche donc à la session, donc une session jour, une session nuit. Et là, je suis toujours dans la même session jour, donc dans les mêmes courses depuis tout à l'heure. J'enchaîne en fait, donc. Donc voilà, faut surtout pas que je perde en gros. Oui, arrêtons-les. Arrêtons ces pilotes de rue. Oh. Allez. On est troisième et on peut passer deuxième. On peut le faire. Mais on va pas le faire avec tous ces accidents là. Je sais. Troisième. Ah, il a la même voiture que moi. Troisième. Ah, c'est Warhook qui a gagné, mais non. Mais non. J'ai tout perdu. Boum! Ah mince, mais je pensais que ça allait me faire rentrer dans. Oh non, j'ai cassé toute ma voiture. Je pensais que ça allait me faire rentrer dedans en fait. Alors, dernière épreuve d'ici. Je paye 3000 balles. Donc là, il faut vraiment que je gagne. Il n'y a pas moyen, sérieux. C'est une voiture d'amour que j'ai. Elle a des cœurs de partout. Eh hey, ma grosse, on y va. Il faut gagner. C'est moi, je vais mourir de honte si je perds contre toi. Bim! Merci. Allez, c'est pas fini. Non, non, non. Elle allait déraper en plus, la piote. Hein. Allez! Mais j'avoue, il sort d'où comme ça? Observe-moi bien, je vais t'apprendre comment gagner une course de rue. Vas-y, montre-moi. Capitaine, alors, c'est clair. Je préfère les courses à la loyale, d'accord? Ok. Boum. Je m'en fous tant que je suis premier. Allez, c'est parti. On termine cette course sur les chapeaux de roue. Ou les chapeaux de Colton. Ah, ah. T'inquiète, je vais vite te dépasser. Non, toi tu restes là.
Allez. Oui, bah va toucher les autres, touche-moi pas. Bim. Non, tu vas pas me dépasser. C'est moi, je suis premier, un point, c'est tout. Alors, il y a des fois je conduis bien, et des fois je conduis pas bien. Allez, plus qu'un petit effort et on est premier. Et on est premier. Hey. De patrouille. Nous aussi, on veut s'amuser. Au début de découverte, je disais que j'allais pas me faire arrêter, mais en fait, il commençait à être un petit peu chaud là. Regarde lui là. Regarde avec quoi il essaie de m'arrêter. Et comment tu veux que je le sème lui là? On m'a touché. Ah bah oui, tu m'as touché, mais c'est des. On va faire ça. Moi aussi je KO. Mais comment je vais faire pour les semer? Ils sont trop balèzes. Je ne sais pas où je vais. Je commence à me demander si notre suspect sait conduire. Bah moi aussi je commence à me demander si ton suspect il sait conduire, hein, parce que. Barrage déployé. Ah, mais... Ah mais oui, il y a des stops poursuites là. Alors, comment que ça marche? Je crois que c'en est pas un ça. Ça c'est juste un saut. Oula. Oh. 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 Notre suspect commence à faire n'importe quoi. Ah bah j'avoue, il fait n'importe quoi, arrêtez de le suivre. C'est un danger public votre suspect les gars. Alors qu'est-ce qu'il faut que je percute là? La grue sûrement? Ah non, c'est pas là. Notre suspect nous a filé entre les doigts à une... Hein? Ah mince! Ah bah mince! Véhicule réparé. Oh, ça c'est bien. Oui, oh, il va se calmer l'autre là. Voilà, j'ai réussi à les semer alors que je cherchais un moyen de les semer. Allez, retrouver cette petite enclure. Moi je vais... Ouh. Vite retourner au garage pour être tranquille. Intéressant. Bah, il me reste juste une course, du coup je vais quand même aller la faire. Et après, bah après on va reprendre l'histoire, je suppose. Je vais retourner au garage, je sais pas ce qui va se passer. Déjà améliorer ma voiture à moi, ce serait déjà pas mal. Ok, c'est parti pour la dernière course. J'ai hâte de voir ce que tu sais faire. Moi aussi, j'ai hâte de voir ce que je sais faire. Vous avez l'air très 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 rapide comparé à moi d'ailleurs. Allez! Oula. Hein? Pourquoi ils ont sauté eux? Ils m'ont fait me tromper de route. Casse-toi, va emmerder quelqu'un d'autre. Bah il va falloir que je te sème de toute façon mon ami. Voilà. Oh, mais je suis premier dis donc. On dirait bien que je suis premier dis donc. Oh. Allez, deuxième, à cause de...
sais pas, j'ai voulu bloquer le flic et du coup je me suis pris le bordel dans la tête, pleine face, ça fait mal. Du coup maintenant je pars comme ça. Allez, direction le garage. Avant de se faire arrêter par les flics. C'est quoi, c'est ça? Non, ça a pas l'air d'être ça. Je ne sais pas ce que c'est. Moi. Ah mais non, les stops, en fait, les barrières, c'est eux. Voilà, bon, ben, on va quand même passer par là. Eh ben non, à mon avis, tu l'as pas percuté. Ah si, ça doit être toi. Oh, j'ai éclaté ma caisse. Ah, je crois qu'il faut que j'arrête d'éclater ma caisse, par contre. J'ai pas une station essence quelque part. Allez, allez, c'est le moment ou jamais, les gars. Il m'a pas vu. Oula. Ah ouais, là je vous ai bien niqué. Je suis bien content. Alors juste, direction le garage, les enfants. Et voilà le petit raccourci. Comment je fais pour rejoindre mon garage? Y'a les flics. Il est là, le garage. Et voilà. De tolérance zéro. C'est clair? Ouais. Oh, c'est la BM. C'est la BM de Most Wanted. Most Wanted ou Carbon? Carbon? Most Wanted? Le premier? Eh ben, je vais prendre la BM. Elle est trop stylée, sa mamie. Eh ben, je vais la laisser comme ça, en vrai. Elle est trop stylée, sa mamie. J'aime beaucoup. De toute façon, j'ai pas d'argent, donc on va garder tout ça. Et moi, je veux faire des courses avec elle, là. Voilà, hein. Ah bah ça me plaît déjà beaucoup plus mieux bien, hein. Donc là, on est passé. Donc là, c'était, on a fait dimanche journée. Là, on fait dimanche nuit. Et ainsi de suite. Voilà. Bon, vous avez compris à peu près le délire. En fait, j'ai pas de course en S. C'est ma voiture, elle est en S+. C'est dommage. Donc ça, c'est ma A. Et là, j'ai la mienne. Et la petite Nissan Skyline qui va beaucoup plus vite. Je pense qu'on va s'arrêter là pour cette découverte parce qu'il y a beaucoup de courses. L'épisode prochain, je vais m'avancer un peu moi dans les courses. Et l'épisode prochain, on va se concentrer, j'espère en tout cas, un peu plus sur l'histoire. Enfin, on verra de l'histoire. Ce sera peut-être pour ceux qui ont envie de suivre l'histoire. J'ai envie de suivre l'histoire moi, du coup je vais avancer quand même. Enfin bref, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, je vous laisse mettre un like, vous abonner, activer la petite cloche. Mettez un petit commentaire si vous avez envie de commenter. Et allez faire un tour sur TikTok aussi. Je laisse des petits extraits de tout ce qui se passe sur Colton et Traclas de YouTube. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode, donc pour la suite de la découverte sur Need for Speed Unbound. Merci à vous, salut tout le monde.